vous n'êtes pas sans savoir que le 5 août à Mulhouse, il y a une soirée cosmique qui s'organise. Alors si c'est pour laisser faire ça, qu'on shoot dans nos gueules en se déguisant Star Wars, pour des machins bidons, ça va pas se passer comme ça. En plus, ils sont emmerdés terribles, les gens, pour trouver des costumes. T'es vraiment une langue. Ben bah oui, les petits jeunes, ils sont culs de la vie, pour faire une soirée michto. Puis vous, vous bavez avec des conneries, avec vos bidonnards, assis dans vos casses à la con. Ah, puis toi, tu vas les soutenir peut-être, hein. Ça prend 30 euros par personne, ça fait v'là des cuites et la vie dans les campings, ça se fout tout sur Facebook, et toi, tu trouves ça normal peut-être, hein. Parce que toi, t'aurais préféré la soirée du fils Dieudonné, peut-être, hein, la soirée Japon, hein. Une soirée de vieux, organisée par des vieux pour des vieux, hein. Avec la Martine de Rives déguisée en geisha, et puis la femme Bernardo, hein. C'est assez mucheton, ça, que tu voulais, peut-être, hein. Tu vas pas la fermer, ta gueule, paysan. Ah, arrête, mon pelot, arrête. Va être mucheton, la soirée, je te jure. Hein, le 5 août, venez tous, hein, les jeux de saut 2, et puis des néons noirs. C'est de le top. Et un gros Fifi, bien extraterrestre. Mais oui, quoi. Vivi, mais déguisant les extraterrestres, alors. Hein bah, avec son gros bidon là. Bah, tout prévu. Moi, je pense que ça peut être intéressant, hein. Vu que le garçon, il dit que Vivi va être avec son gros bidon là en extraterrestre. Il y aura même le Franck Laurier va être déguisé en calotte. Arrête, arrête, je dis. Et puis, il y aura même le Damien Costa Glouglou, il va être déguisé en homosexuel.